Alors, prenez s'il vous plaît votre manuel Mes apprentissages en français. Cherchez la page de la négation. Voici les exercices de Je m'entraîne. Corrigez si vous avez des fautes. Souligne les phrases négatives. Et nous demande tout simplement de souligner les phrases négatives. Alors, lorsque je vois les mots de la négation ne pas, ne plus, ne jamais, ça y est, c'est la phrase négative. Par exemple, les élèves ne jouent plus aux osselets. Ces avions ne volent jamais par mauvais temps. Le cinéma n'ouvrira plus ses portes aux spectateurs. Rahim ne dépose jamais son argent en banque. Pour Lamia a une jolie tablette. C'est une phrase bien sûr affirmative. La science évolue et les technologies avancent. Voilà, c'est la forme affirmative. Alors, les élèves ne jouent plus aux osselets. Ces avions ne volent jamais par mauvais temps. Le cinéma n'ouvrira plus ses portes aux spectateurs. Rahim ne dépose jamais son argent en banque. Ce sont des phrases négatives. Bon, deuxième question, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Le train roule à grande vitesse. On dit le train ne roule pas à grande vitesse. Ces téléphones portables coûtent cher. On dit ces téléphones portables ne coûtent pas cher. Mon cousin voyage seul. On dit mon cousin ne voyage pas seul. Les ouvriers vont à l'usine. Les ouvriers ne vont pas à l'usine. Il a entendu, regardez bien, c'est l'auxiliaire ici. Il a entendu des informations à la radio. J'encadre ici uniquement l'auxiliaire. C'est pas le verbe, mais auxiliaire. Il n'a pas entendu d'informations à la radio. Alors, pour évaluation, je m'évalue, je corrige mes fautes, s'il existe. Bien sûr, prenez votre page 81, les exercices de évaluation. Bien sûr, chacun a bien fait ses devoirs. Maintenant, c'est le temps de la correction. Je souligne les phrases négatives. D'abord, la lecture. Les techniciens fabriquent des téléviseurs. Ils ne rentrent jamais à l'heure. Ils n'ont jamais voyagé en avion. Nous ne quitterons plus cette école. Montre-moi ton smartphone. La radio annonce une belle journée. C'est pour faire la différence entre la forme affirmative et négative. Ce sont des mots de la négation. Alors, les techniciens fabriquent des téléviseurs. Montre-moi ton smartphone. La radio annonce une belle journée. Ce sont des phrases à la forme affirmative. Alors, les autres à la forme négative. Ils ne rentrent jamais à l'heure. Il n'a jamais voyagé en avion. Nous ne quitterons plus cette école. Alors, bien sûr, ce sont des phrases à la forme négative. Deuxième question, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. La maman prépare une omelette. On dit, la maman ne prépare pas une omelette. Il va en ville chaque dimanche. Il ne va pas en ville chaque dimanche. Mon frère aime les bandes dessinées. Mon frère n'aime pas les bandes dessinées. Alors, pour troisième exercice, c'est vraiment facile. Il suffit donc d'entourer les mots de la négation. Ils ne prennent plus, c'est le contraire. On dit, ils prennent encore plaisir à voir la télé. Ils prennent encore plaisir à voir la télé. La forme négative, on dit, ils ne prennent plus plaisir à voir la télé. Il n'y a plus de vacances cet été. Ils ne pensent jamais. Ils pensent toujours à ses camarades. Ils pensent toujours à ses camarades. On dit, ils ne pensent jamais à ses camarades. Ces touristes n'ont jamais visité Tarla. Les enfants ne vont plus aux zoo. Alors, j'encadre. J'entoure seulement les mots de la négation, soit ne plus ou ne jamais. Voilà, c'est tout pour le moment. C'était donc une vidéo brève concernant la correction de évaluation. Et au début, la correction de je m'entraîne, d'après bien sûr votre manuel, mes apprentissages en français de 6e année primaire, la page 81. La prochaine vidéo sera donc pour la cause. Et on se termine par la cause. La cause. On parle ici de grammaire. Voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo était vraiment très intéressante pour la plupart des élèves de 6e année primaire. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer et en même temps, on va faire une petite révision de la cause. La cause. Voilà. À la prochaine.